Dimanche 11 juin 2017, c'est la date que le nouveau locataire du palais de l'Élysée, le président français, M. Emmanuel Macron, a choisi pour recevoir le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, à l'Élysée. Jour symbole pour la France et pour le président Macron, parce que tout simplement, jour électoral pour le peuple français qui vote pour les élections législatives. Il était 16h35. Quand le président Ouattara est entré dans la cour de l'Élysée. Après 40 minutes d'entretien entre les deux chefs d'État, ils se sont présentés devant les journalistes présents pour faire un point de presse. Selon le président Emmanuel Macron, ils ont évoqué l'ensemble des sujets bilatéraux entre les deux pays. Nous les écoutons. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, je suis très heureux en tout cas d'avoir accueilli cet après-midi dans un jour un peu particulier pour la démocratie française. Mais le président Ouattara, qui est le premier chef d'État africain que j'ai la joie d'accueillir ici à l'Élysée. Et c'est un signal fort d'ailleurs de notre attachement à la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui, qui reste et qui restera un partenaire essentiel pour la France. Et j'aurai à cœur tout au long de mon mandat non seulement d'entretenir, mais d'aller plus loin dans les relations qui sont les nôtres. Nous avons, au long de l'entretien que nous venons d'avoir avec le président, évoqué l'ensemble des sujets qui couvrent la relation à la fois bilatérale, mais aussi régionale. Et je sais l'histoire de nos pays, les épisodes difficiles qu'il y a pu y avoir, la période aussi difficile que la Côte d'Ivoire a traversée, mais également la renaissance et le rayonnement qui est aujourd'hui le sien. Nous venons d'abord d'évoquer les sujets économiques et en particulier, après quelques difficultés, le fait que l'économie ivoirienne est une des plus dynamiques aujourd'hui et des plus diversifiées d'Afrique, avec une croissance d'un peu plus de 7% en 2016, une économie qui est aussi au-dessus du taux de croissance moyen de l'Afrique subsaharienne. J'ai pu féliciter d'ailleurs le président des récentes émissions, Premier ministre et gouvernement à ses côtés, qui ont été faites par la Côte d'Ivoire et qui ont non seulement affiché des taux qui étaient plus faibles que les taux attendus et une sursouscription dans plusieurs devises. Ce qui montre bien là aussi que la communauté internationale perçoit ce dynamisme ivoirien. La France accompagnera cette transformation, cette modernisation économique. Nous restons aujourd'hui le premier partenaire bilatéral en faveur de la Côte d'Ivoire et nous souhaitons non seulement consolider mais bien évidemment renforcer ce rôle. Nous avons évoqué à ce titre plusieurs partenariats en cours que je souhaite renforcer, développer et plusieurs actions économiques que nous mènerons dans les prochaines semaines, je l'espère avec beaucoup de succès. Nous avons également évoqué les épisodes récents qui ont tenté de fragiliser la situation sécuritaire dans le pays. Je le dis ici, la Côte d'Ivoire est un exemple de sortie de crise réussie et un modèle pour beaucoup, en particulier dans la région. Et à ce titre, il est pour moi très important que nous soyons arrivés à la stabilité. Donc les décisions prises par le président, son gouvernement, seront là aussi accompagnées, je le sais, par l'ensemble de l'Union européenne pour que cette stabilité soit préservée. C'est très important après ce que pays accueilli, mais je considère pour ma part que le retrait de l'opération de maintien de la paix et l'élection de la Côte d'Ivoire la semaine dernière au Conseil de sécurité des Nations Unies ont consacré justement cette stabilisation politique qui est importante pour nous tous. J'ai à ce titre félicité le président Ouattara de son engagement indéfectible pour la paix, pour la stabilité, non seulement dans son pays et les réformes institutionnelles qu'il est en train de mener et qu'il continuera à mener en ce sens sont absolument indispensables, mais également pour toute la région. Nous avons également eu l'occasion d'évoquer plusieurs questions régionales. Notre préoccupation toute particulière, évidemment, pour la situation du Mali, où j'étais il y a quelques semaines et où je retournerai, en tout cas pour le compte de laquelle je retournerai dans le cadre du G5 Sahel le 2 juillet prochain. À ce titre, je pense que nous devons continuer le travail qui est fait en termes de coopération militaire, de coopération en matière de renseignement, et il est essentiel que nos pays continuent à œuvrer
pour que dans la région, nous gagnions cette bataille face au terrorisme, quelles que soient d'ailleurs les formes que celui-ci prenne, mais également la bataille qui permettra de prévenir les percées que font parfois ces troupes terroristes ou la capacité qu'elles ont à déstabiliser des régions en profitant de certains déséquilibres ou de la misère. Enfin, nous avons souhaité l'un et l'autre pouvoir aller plus loin sur différents sujets en termes de coopération qui, au-delà de tous les sujets économiques, culturels, politiques qui sont les nôtres et qui sont le cœur de la relation entre la Côte d'Ivoire et la France, doivent être à nos yeux développés, qui correspondent aux deux grands défis qui sont les nôtres. Nous avons un défi qui est la lutte contre le terrorisme et la sécurité de nos pays et de la région. Et à ce titre, nous renforcerons dans les prochaines semaines et les prochains mois, de manière très concrète, nos partenariats en matière de coopération militaire, de renseignement, de formation militaire. Et je considère aussi que nous devons donner une composante préventive à travers une coopération plus forte en matière éducative. Et là-dessus, nous prendrons des mesures très concrètes. Le deuxième défi qui est le nôtre, c'est le défi climatique. Nous l'avons évoqué, je remercie le président d'ailleurs à la fois d'avoir réaffirmé son engagement fort pour l'accord de Paris, mais d'avoir aussi réaffirmé les efforts de la Côte d'Ivoire dans ce cadre. Nous devons ensemble décider de mesures et de projets concrets qui vont dans ce sens. Projets de transport urbain, projets d'assainissement de l'eau, projets d'innovation qui permettent d'accompagner ces transformations, en particulier de l'économie ivoirienne, et qui, de manière concrète, accompagnent un engagement diplomatique avec une transformation économique et sociale. Et donc la France accompagnera tout particulièrement ces projets et souhaite participer à ces derniers dans le cadre de la transformation de l'économie de la société ivoirienne. J'aurai le plaisir, Monsieur le Président, de me rendre chez vous au moment du sommet Union européenne-Afrique, puisque vous accueillerez ce sommet, je serai donc personnellement là. La ministre compétente se rendra dès le mois de juillet, donc aux Jeux Olympiques, et nous continuera fin juin même, et nous continuerons ce travail ensemble en nous revoyant nous-mêmes début juillet, donc en marge du G20. Cette relation qui unit nos deux pays est forte, intense, et dans le cadre que je viens d'évoquer, c'est le souhait de la France de la poursuivre et de la renforcer. Je vous remercie en tout cas, encore une fois, d'être là avec nous cet après-midi. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de me recevoir en ce jour particulier, jour d'élection, et de prendre le temps de me recevoir cet après-midi. Et évidemment, cela montre toute la considération que vous avez pour la Côte d'Ivoire, pour nos concitoyens, et je voudrais vous en remercier et aussi vous féliciter pour votre brillante élection. Je souhaite qu'aujourd'hui soit une bonne journée, une bonne nouvelle, en fin de journée pour vous. Et vous dire que la Côte d'Ivoire, au cours de ces dernières années, a fait des progrès importants dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. Le pays va bien. Bien évidemment, nous avons au cours des derniers mois subi des chocs intérieurs et extérieurs qui rendent la gestion économique plus compliquée en 2017. Mais malgré cela, nous pensons pouvoir maintenir un taux de croissance d'environ 7% comparé à la moyenne de 9% que nous avons connu au cours des 5 dernières années. C'est-à-dire que la gestion macroéconomique et notre volonté de réduire la pauvreté sont effectivement en train de prendre, et qu'au cours des prochaines années, la Côte d'Ivoire continuera d'être un modèle de bonne gouvernance, de bonne gestion. Et en cela, je voudrais saluer le rôle des entreprises françaises, le soutien du gouvernement français, et dire que pour le moyen terme, nous souhaitons mettre l'accent sur les domaines dont nous avons parlé, notamment les questions d'investissement dans les énergies renouvelables, la question de l'éducation, l'assainissement, et faire en sorte que l'environnement soit meilleur pour nos concitoyens. Et de ce point de vue, je voudrais dire également que
Nous saluons votre position et vos déclarations sur l'accord de Paris. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes la voix des sans-voix que nous sommes et nous considérons que le climat est un domaine essentiel pour les pays africains et par conséquent, nous avons ratifié l'accord de Paris et les instruments ont déjà été déposés aux Nations Unies et nous voulons vous encourager à garder ce leadership dans le monde pour améliorer la situation donc de l'ensemble de la planète. Au niveau de nos relations bilatérales, nous avons évoqué également les questions sécuritaires, mais également régionales. Je voudrais vous féliciter pour le voyage que vous avez effectué au Mali, à Gao. C'était un moment important de donner l'assurance et l'espoir aux populations, non seulement du Mali, mais de l'ensemble de la sous-région, car la lutte contre le terrorisme n'est pas limitée à un pays ou à une ville, mais à toute une région et même, je dirais, à la planète entière. Nous sommes d'avis que cette lutte doit être renforcée au niveau international et nous sommes déterminés à jouer la part qui est la nôtre, qui est le nôtre au niveau donc de la sous-région ouest africaine. Je voudrais vous remercier pour le soutien que nous avons eu de la France pour pouvoir accéder au Conseil de sécurité. La Côte d'Ivoire sera à compter du 1er janvier 2018, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un pas important, cela fait un quart de siècle que nous n'avions pas eu la possibilité de siéger au Conseil à cause des difficultés que mon pays a connues. Et donc nous considérons que c'est une évolution importante pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Nous tenons beaucoup à notre coopération avec la France et je voudrais saluer tous les échanges que nous avons vus et également votre engagement à nous aider à démarrer très rapidement le métro d'Abidjan. C'est un projet important dans le domaine social. Abidjan est une ville de 5 millions d'habitants, mais également dans le domaine donc environnemental, car l'environnement est quelque chose, je sais, qui vous tient à cœur. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être trop long, je voudrais vous réitérer tous mes remerciements, la gratitude que nous éprouvons et surtout toute l'appréciation que nous avons d'être reçus en ce jour d'élection en France. Merci encore et merci de votre disponibilité. Merci, Monsieur le Président. Merci. 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 Mer